Karim, bonjour. Raconte-moi, comment ça s'est passé ce salon RH? Pour nous, c'était l'occasion de venir avec toute l'équipe, se réunir, faire un peu de team building, rencontrer un peu les clients, les gens. On est un site de recherche d'emploi qui fonctionne un peu comme Google, mais spécialisé dans les emplois. Donc, on va indexer tous les sites carrières qui sont présents sur le web. On a plus de 100 000 emplois en Suisse grâce à ça. Et l'occasion, c'était de venir à la rencontre un peu des différentes personnes, des différentes entreprises, des gens, de sentir un peu le marché en fait. Bonjour Granit, vous travaillez pour Jobio. Dites-moi, comment s'est passé ce salon RH pour vous? Mais écoutez, très bien, très intéressant, beaucoup de belles rencontres, des clients potentiels certainement, mais aussi beaucoup de partenaires potentiels. Donc très intéressant et on reviendra à ça, c'est sûr. Le salon s'est passé d'une manière magnifique, on a eu effectivement beaucoup de visiteurs car le thème est intéressant. On a fait aussi de nouvelles rencontres et c'est vraiment ce qui est important dans un salon, de prendre contact avec des personnes qu'on ne connaît pas. Pour la petite histoire, à Sherbooker, c'est un portail de réservation qui met en relation les offreurs de lieux de séminaire, de même que les formateurs et ceux qui, tout naturellement, les cherchent. Ressources émanent de l'association des entreprises qui sont actives dans le domaine des RH. Ça fait 20 ans qu'on le sort et depuis 2000, il est également sur Internet sous hrlink.ch qui regroupe l'ensemble des entreprises actives dans le domaine des RH. Ce sont des entreprises qui fournissent des prestations de services auprès des directeurs de sociétés, des directeurs RH, distribués à 10 000 exemplaires sur l'ensemble de la Suisse. C'est la quatrième fois qu'on vient au salon. Comme dire du potentiel féminin? Moi, je pensais qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on dit sur les talents féminins, le besoin de recruter des femmes et de mieux utiliser le potentiel indigène et donc des femmes en Suisse et des seniors aussi et des seniors femmes, voilà, c'est quelque chose qui allait parler droit aux visiteurs du salon. Visiblement, c'est encore des termes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Voilà, c'est quoi la mixité homme-femme en entreprise? Donc j'étais étonnée que finalement, ce ne soit pas encore entré dans les mœurs, le vocabulaire déjà. Et quand on parle de plafond de verre, de politique mixité, de gender balance, c'est encore quelque chose qui ne parle pas assez suffisamment aux RH.